Hygiène rythmique, vivre de la musique avec l'esprit critique. Salut à toutes et à tous, c'est Miguel et bienvenue dans la deuxième partie de l'interview avec Dominique Marseille. Si vous avez raté la première, une bannière s'affiche à l'écran et vous avez le lien aussi en description. Ne brûlez pas les étapes, on a appris plein de choses la semaine dernière. Avant la troisième partie vraiment orientée pédagogie, on fait l'intermédiaire en se focalisant sur le public. Même si certains secrets sont bien gardés, Dominique nous en dit plus sur les élèves, leur motivation, leurs rêves et comment leurs objectifs perso peuvent ou non se confondre avec ceux de l'école. Allez, c'est parti. Écoutez, merci beaucoup donc, pour cette première partie sur la présentation de l'école. Donc, la deuxième partie, c'est sur le public, sur les élèves en particulier, les personnes qui sont derrière la batterie. Ce public-là, est-ce que je peux vous demander... pas forcément un chiffre exact, mais il y a combien d'élèves dans les écoles Agostini en général ou à Bordeaux? Et il y a combien de profs à peu près par école ou à Bordeaux? Je ne peux pas répondre. D'accord. Ok. Alors, par contre, cette question, peut-être que vous pouvez répondre. Est-ce qu'il existe un profil type à l'école Agostini d'élèves? Par exemple, est-ce qu'on peut distinguer un âge type, un sexe type, une catégorie sociale? Est-ce que vos élèves sont plus vieux? Est-ce que vos élèves sont plus jeunes en général? Est-ce que c'est plus des hommes? Est-ce qu'ils sont plus riches? Est-ce qu'ils sont plus pauvres? À peu près. Non, il n'y a pas... On a des gosses au niveau des âges, hein. Plus jeunes, on les prend à 5 ans et demi, 6 ans, avec des choses, un enseignement adapté à eux. Hein. Et après, je me doutais que il y a plus de 10 ans de ça. D'ailleurs, c'était rigolo, parce qu'il y a une personne qui m'appelle pour soi-disant s'inscrire dans l'école, et avec une voix un peu, pas de genoux, et puis le mec, il dit, voilà, je voudrais m'inscrire et tout. Bon, alors comme d'hab, je fais, vous jouez déjà, vous êtes débutant mais oh, j'ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est mon rêve. Bon, je fais, vous avez quel âge? 75 ans. Oh, je fais, oula. Bon. Et puis, bon, j'ai un petit problème. Il me manque deux doigts dans une main. Ah oui. Ah. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est un mec qui me fait une connerie, là, au téléphone. C'est-à-dire une blague? Une blague. Et je pensais, parce qu'il y en a un qui m'en a fait des comme ça, et j'ai tout de suite pensé que c'était un ancien élève à moi, mais qui est connu dans le métier. Il a fait le métier sur Paris, tout ça. Et puis, il bosse pour Yamaha. C'était Nicolas Filiatro. Au bout d'un moment, je lui dis, bon, t'arrêtes, Nicolas, va te recoller deux doigts, et puis quand tu les as recollés, tes doigts, eh bien, tu viendras t'inscrire. Et le mec, il change pas de... Non, mais... Oh, putain. Ah ouais, le coup dur. Oh là là. Donc, 75 ans. Et il continue. Donc, aujourd'hui, il a... plus de 85 ans, je crois. Et le mec, il monte à Paris, à la Bat Show. Il parle que de l'école d'ici. Il monte au truc Yamaha, le truc de démo de batterie. Il va s'inscrire dans des stages avec Franck Agulon. Donc, toi, il y a tous les âges. Bon. Donc, évidemment,
la moyenne, c'est quand même ado jusqu'à 13, 14, jusqu'à 20 ans. Là, c'est quand même le gros noyau. D'accord. Mais après, du 40 ans, du 50 ans, des mômes, des mecs, des filles. Surtout des mecs, j'imagine. Ouais, il y a plus de mecs quand même que... Mais il y a quand même des filles qui... Il n'y a pas un quart de filles à l'école? Non. Ouais, on est quand même non. Moins. Non, non. Ah non, non. Mais il y a... Même des mamans d'élèves de petits, d'accord. Eh bien, qui se mettent à la batterie et qui prennent des cours. Il y a eu moi à Bordeaux, niveau fille qui a été jusqu'au bout et qui a bossé terrible, je n'ai eu qu'une. C'est Anaïs Belmonte. Voilà. Et qui venait de. Toutes les semaines, elle venait de Tarbes. Voilà. Mais non, mais il y a des filles, mais ce n'est pas la majorité. Donc je te dis, tu peux dire 6 ans jusqu'à. Pareil, M. Brifeuille, c'est une exception. Hein. Ouais, voilà. C'est bien dans le sens de la variété. Ah oui. À travers cette variété, il y a quand même des profils types. On voilà. D'accord. Voilà. Ah ouais. Si vous avez que des monsieur Brifeuille, comme vous dites, ce serait un peu improbable. L'idée est un peu improbable. Là, les tempos, ça ne sera plus du tempo fast à 150 de la manche, ouais. Si j'ai ça. D'accord. Une dernière petite question là-dessus. C'est la catégorie sociale. Est-ce que vous avez une idée à peu près de tout. De tout. J'ai de tout. Ouais, j'ai de tout. J'ai des. Bon, c'est. Ouais, non, non, j'ai de tout. J'ai même des mecs qui. Je sais pas comment ils font ça. Des mecs, je sais, qui bossent pas ou que. Enfin, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas. Et les mecs, ils sont là. J'ai des mecs qui bossent aussi, je veux dire, donc j'ai des mecs qui font que ça, mais qui jouent à côté. Donc c'est. J'ai des fils de parents, donc il y a de certains qui ont du pognon quand même, d'autres qui en ont moins. Donc non, j'ai tout, vraiment de tout. On peut peut-être enchaîner sur la question suivante. Donc la question suivante, c'est quelle proportion d'élèves que vous avez eu, ou en général, si vous pouvez répondre à la question, et musicien professionnel actuellement, ou que vous avez actuellement, ou désire en faire son métier ? Qui désirent en faire le métier, tous. S'ils font de la batterie, ils rêveraient tous de... Vous êtes sûr que tous vos élèves rêvent de faire de leur pratique ici, batterie, un métier? Ah bah s'ils aiment ça, c'est... Ouais. Si tu veux, c'est comme si un mec, enfin je sais pas, qui... Bon, je parle des jeunes, hein. On parle d'un mec à 50 ans, 40 ans, si vraiment il est débutant, le mec il a un métier à côté, il sait qu'il ne sera jamais des wakels ou... Enfin, donc, peu importe, hein, ou Mbappé au football, voilà, toi, je veux dire, c'est... Mais oui, quelque part, c'est... Comme quelqu'un qui. Un jeune qui veut aller faire du. Je sais pas moi, qui s'inscrit pour aller faire du foot, bah, il se rêve que d'être footballeur professionnel.
Donc il y a un rêve. Oui, il y a un rêve. Il y a un rêve. Qui n'est pas forcément une volonté pragmatique. Ah non, parce qu'il y a ça derrière. Bon, voilà, ah ouais. Après, faut, on sait ce que le mec, tu lui dis, toi, je veux dire. J'ai même, si tu veux, des fois, ça me fait peur. J'ai des mômes de 16, 15, 16, 17 ans. Les parents viennent me voir et disent, bon, ben voilà, il veut arrêter ses études parce qu'il veut faire que ça, que ça. Et là, c'est une grosse responsabilité, là. Bon, je veux dire, que ça. J'ai ce qu'il a son bac, même si c'est pas une finalité. Qu'il ait au moins son bac. Au moins. Et après, tu veux faire que ça, d'accord. Mais tu sais ce que ça va te coûter en temps, en souffrance. Parce que là, c'est plus. Pas pour faire punchak pour punchak, c'est faut que tu bosses, faut que tu. J'y ai. En plus, il va pas falloir que tu fasses que de la batterie, il va falloir. Va t'inscrire dans une école de musique, un truc pour faire au moins du piano. On précise qu'ici à l'école Agostini, on joue de la batterie exclusivement, on joue pas d'autres instruments de percussion. Non, c'est une école de batterie. Voilà. Mais on joue pas non plus avec des orchestres, des collectifs. Non. On fait que des cours individuels. C'est un cours, voilà. Un cours collectif à l'épaule, mais c'est que de la batterie. Voilà, c'est moi, ça. C'est que de la batterie. Et après, ce que. Attention, je leur dis à tous, ça peut venir après dans les discussions, mais. Qu'ils fassent comme on a fait à l'époque. Je veux dire, moi, je dis toujours, un mec ici qui a les 3 mois de cours, quand je vois faire, déjà au bout de 3 mois de cours, ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que. Ah oui, il joue les. Bref. Trouve-toi des copains à l'école, un guitariste, un bassiste, et va jouer tout de suite, va jouer tout de suite. N'attends pas. Faut que tu joues. Voilà. Et. C'est comme ça qu'on a tous appris, hein, de toute façon. C'est pas. Donc ça, c'est le discours que vous tenez aux élèves qui rêvent d'en faire un métier pour leur donner un rapport un peu plus réel, concret, ah bah oui, à ce qu'ils vont apprendre ici. Mais oui, c'est... Il y a le scolaire, c'est une chose. Et après, on applique. On applique, c'est dehors. C'est avec les copains ou dans un orchestre. Ou... Nous, on a appris dans le... On s'est pris des claques au départ, comme tout le monde. Hein, je veux dire, aujourd'hui, y a, par exemple, il n'y a plus d'orchestre de bal. Bon. C'est plus rare. Mais putain, qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? Parce qu'on est obligé de jouer toutes sortes de musiques, de même des musiques qu'on n'aimait pas. C'est ce qu'on appelle apprendre le métier. Voilà. Et après, bon, il y a. C'est sûr qu'il faut jouer, aller appliquer. Et je crois que c'est la vérité, là. Alors, Ok. Et donc là, on s'est focalisé un peu sur les élèves qui désirent en faire un métier, donc qui sont dans la construction personnelle autour de la pratique musicale. Est-ce que vous connaissez une proportion des élèves qui sont déjà professionnels et qui prennent des cours toujours à l'école ? Ils sont par exemple intermittents, par exemple intermittents du spectacle, par exemple professeurs dans d'autres écoles, tout exemple qui tourne autour de la profession de la musique. Qui sont passés dans l'école et qui en font encore leur métier aujourd'hui et qui gagnent bien leur vie. Oui, il y en a pas mal. Aujourd'hui, je veux dire, enfin, pas qu'aujourd'hui, cette année, parce que bon, en ce moment, c'est difficile. Mais cette année, où il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a. Bon, déjà, il y a un peu moins de boulot.
Mais les mecs, ils... bon, tant mieux pour eux, moi je m'en fous. Et les mecs, ils ont deux ans de cours. Ils sont déjà intermittents. Donc ils sont professionnels. Bien sûr. Ils sont professionnels. Donc, ça veut rien. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire parce que le mec, il travaille, il va se faire toute une saison l'été, à je sais pas combien de dates, et il sera intermittent. Donc, il est professionnel. Au même titre que Dédé Ségarelli, ou ils sont professionnels. D'accord, donc ça, c'est une majorité des élèves ici qui sont professionnels? Ah, j'ai pas mal d'intermittents. Hein. Ouais. J'ai pas mal de mecs intermittents. Comme, des fois, j'ai des mecs, bon, j'apprends qu'ils donnent des cours. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais dans ma tête, je dis, mais attends, ce mec, je l'ai eu débutant il y a un an et demi. Et il donne des cours. Ça veut dire qu'il a un an et demi d'avance sur son élève. C'est grave. Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça très grave. Mais tout ça, c'est pas mon problème. Hein. Bon. Voilà. Il est entre de bonnes mains, on va dire. Hein? Il est entre de bonnes mains, on va dire, pour rester positif. Oui, voilà. Mais c'est un peu... Il y a des choses qui devraient être revues, pour la danse, par exemple. C'est pas n'importe qui peut donner des cours de danse. D'accord. Toi, c'est faux. Parce que c'est surveillé. Et moi, je trouve que peu importe l'instrument, je ne parle pas que de la batterie, il hein, faut être culotté, dire ça fait un an et demi que j'ai commencé à faire poum tchak, poum poum tchak. Bien sûr. Et non. C'est marrant parce que quand le développement que vous faites dans les réponses que vous me donnez, suit exactement les questions que je vais vous poser, donc c'est parfait. On arrive à la fin justement des questions sur le public, et ensuite après justement on va parler des jugements et des valeurs qu'on attribue à la pédagogie, donc c'est parfait. Donc, la dernière question pour la partie sur le public de l'école, c'est quel est l'objectif de l'école, si on peut en discerner un précis, et quel est l'objectif de la majorité des élèves qui sont à l'école? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux? Là, je comprends pas trop, soit plus précis. Alors, on va juste commencer par la première partie de la question. Est-ce que l'école a un objectif précis? Est-ce que vous avez un objectif précis à l'école? Mais par rapport à... Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est former des batteurs? Est-ce que c'est former des musiciens professionnels? Est-ce que c'est juste apprendre la batterie coûte que coûte, donc transmettre un savoir-faire? Est-ce que c'est juste de la médiation socioculturelle? Je sais pas. Je ne me pose aucune de ces questions-là. D'accord. C'est-à-dire que je laisse libre le mec qui vient sonner ici pour s'inscrire ou qui m'appelle pour s'inscrire. Bon, évidemment, je pose des questions au départ. S'il joue pas, s'il est débutant, s'il a pris des cours ailleurs, machin. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô? Oui? Allez, passe-là. Attends, on va sur les objectifs. Est-ce que vous pouvez discerner les objectifs précis ou est-ce que c'est bon? Ouais, ben donc après, c'est... Non, c'est... C'est à l'élève de dire, bon... Je viens pour ça. Je viens pour ça, je vais lui dire, peu importe l'élève, je vais lui dire pareil au départ, je lui dis, bon, prends une bonne position, ou corrige ta position, on va apprendre un peu à lire,
Et après, c'est un échange entre lui et moi. C'est-à-dire que moi, je lui donne du boulot, il fait, je l'écoute, je lui redonne du boulot. Alors s'il bouffe comme ça, bah, je lui redonne comme ça. S'il bouffe ça, bah, je peux lui redonner ça. Et, mais il n'y a pas... je prends les gens comme ils sont. D'accord. Un mec à 40 ans et qui travaille toute la journée, qui commence à 9h le matin au bureau et qui finit à 5h ou à 6h, il va pas avancer comme un mec qui peut faire 6h de batterie par jour. Donc, la méthode, elle change pas. Dans le meilleur des cas, un élève qui peut faire que ça, par exemple, l'objectif, ce serait quoi? Ce serait de faire en sorte que ce soit un musicien professionnel. Ça, c'est son objectif. Ça, c'est son objectif. Donc là, l'école ne forme pas des musiciens professionnels. Non, c'est plus... Non, ça... Mais il n'y a aucune école. Aucune école, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il n'y a aucune école qui peut se permettre de dire « Nous, on fait des professionnels. » Ah, d'accord. C'est faux. C'est faux. Le mec, il peut avoir un prix de Paris, du conservatoire de Paris, de trompette ou de... Mais ce n'est pas pour ça qu'il rentrera à l'ONBA ou à l'Opéra de Paris. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est lui, c'est le travail qu'il aura fourni au niveau de ses études. Et il y a le facteur chance aussi dans la musique. C'est lui. Mais moi, ce serait mentir de dire à un élève, putain, bosse avec moi, tu vas devenir professionnel. À la NPE, est-ce qu'on peut trouver du boulot quand t'es musicien? À Pôle emploi? Tu vas, je suis batteur, je voudrais du travail. Bon alors, pas déconner, pas mentir. D'accord, voilà, donc en toute modestie, on apprend la batterie et on se perfectionne avec l'instrument. Et ensuite, tout le rapport professionnel à la musique, vous ne cherchez pas à avoir une responsabilité là-dessus. Vous laissez non, ça la, seule, et... le, la seule responsabilité que j'ai, c'est de pas mentir. D'accord. De pas mentir un élève et de pas en faire un infirme. Voilà. C'est-à-dire quand je dis infirme, quand je vois certains mecs qui arrivent avec les mains comme ça, qui ont pris 10 ans ou 15 ans de cours et qu'on mal, qu'on non. Hygiène rythmique. Vivre de la musique avec l'esprit critique.